ciao, moi c'est Maman. Après un mois d'absence, avec beaucoup de rebondissements dans ma vie personnelle, je suis de retour, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai choisi de revenir sur ces problématiques qui provoquent beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux actuellement. Je cite le métissage, la femme noire, les discriminations et le colorisme. Partie de plusieurs ras-le-bol de la femme noire dans la communauté, à savoir la légitimité d'une femme métisse de parler dans les médias dans lesquels elles sont souvent plus acceptées, mais surtout de parler au nom des femmes noires qui, elles, n'ont justement pas ce même privilège, vestige du colorisme, mais aussi du racisme. Alors, sans vouloir minimiser les souffrances personnelles des femmes, au teint plus clair, la femme noire subirait quand même plus de discrimination dans ce monde juste parce que sa peau est plus foncée et que la norme sociétale instaurée par ceux qui dirigent ce monde, avec des critères de beauté basés sur le simple fait qu'une peau blanche est bien plus jolie qu'une peau noire. Conséquence absurde de cette logique primaire, et en utilisant les références d'Angélique Adas, un Pantone 95 8C ou un Pantone 71 6C proche de Meghan Markle serait donc plus beau qu'un Pantone 317 3C proche de Crazy Sally ou d'un Pantone 75 96C proche de Sandy Abena, aka Abena Africa, à qui je dis bonjour, qui actuellement voyage en Afrique. Mais tout cela est fait selon quels critères ? Car il est évident qu'on ne peut pas comparer des personnes qui ne se ressemblent pas. Cela n'a aucun intérêt sociologique ou culturel. Il me paraît donc évident que le réel objet d'une telle comparaison est lié au colorisme et aux conséquences dévastatrices que cela continue d'avoir au XXIe siècle. Par ailleurs, les arguments qui sont souvent employés, c'est de dire que les métisses jouent le double jeu, car ces dernières ont la possibilité de changer de camp en fonction de l'envie, de faire du buzz sur les réseaux sociaux ou pour des raisons personnelles. Ce qui serait injuste vis-à-vis d'une femme noire qui n'a qu'une option. L'exemple pris actuellement est celui de la youtubeuse Crazy Sally. Sous les feux des projecteurs, elle fait notamment l'actualité grâce à sa visibilité, mais aussi à son travail, mais surtout suite à sa décision de visiter l'Afrique ou d'utiliser le BLM, Black Lives Matter, comme stratégie marketing, choix qui paraît très soudain par rapport à ses anciennes thématiques et surtout parce que cette dernière a toujours présenté son parcours en soulignant davantage son héritage marocain et non camerounais. Pour les femmes noires plaignantes, elles surferaient donc sur le buzz du mouvement Black Lives Matter, hashtag BLM, car c'est un vrai argument qui rassemble aujourd'hui pour asseoir sa popularité. Mais ce qu'elle dénonce le plus, c'est surtout que les femmes métisses prennent des places que des femmes noires très talentueuses pourraient avoir naturellement, mais qui, par manque de soutien, disons-le, n'ont pas la même visibilité ou les mêmes privilèges médiatiques. Et enfin, beaucoup le disent et l'affirment, l'Afrique ou la femme noire n'a pas besoin d'une Meghan Markle au Pantone plus clair ou d'une Crazy Sally au Pantone plus foncé pour avoir de la lumière. Lumière, tu as compris, peau claire. Lumière. Ok, laisse tomber. Ce qui est un argument sans doute recevable, mais souvent très discutable. Et ce que nous allons voir ici aujourd'hui, car je vous propose une analyse différente de ces différentes problématiques en gardant en tête le projet Human Eye pour essayer non seulement de trouver des éléments et des réponses, mais aussi le moyen d'apaiser le dialogue. Lorsque je parle du projet Human Eye ou de Pantone, je fais ici allusion à Angélique Adas, artiste brésilienne qui partait du principe que le métissage, le colorisme ou le racisme étaient possibles d'être réglés par l'éventuelle désignation de nos différentes nuances de couleur, de peau, en utilisant le même outil que les peintres, je cite le Pantone, un système permettant d'identifier certains tons de couleur. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais avant de commencer, je t'invite déjà à me rejoindre sur mon compte Instagram SiaMaman avec ma petite communauté de chatons pour échanger avec moi. Et surtout, si tu aimes cette vidéo, abonne-toi et mets un pouce bleu pour me soutenir et donner de la visibilité à mon travail car il le mérite. Sinon, je te dis rendez-vous après le générique. Alors, comme je le disais en introduction, la problématique du métissage ne date pas de 2021. Et pour mieux comprendre les enjeux, on va définir les différents termes impliqués qui sont le métissage, le racisme ou encore le colorisme, afin de comprendre leurs conséquences à travers le monde, mais c'est aussi pour vérifier si le projet Human Eye d'Angélique Adas est une solution face aux différentes discriminations. En effet, le colorisme
le métissage ou le racisme sont des questions qui attisent et alimentent encore la colère de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Alors ici, on ne parlera pas du Stop the Asian Hate qui est actuellement en cours, mais de la femme noire qui en a plus que marre d'être toujours invisibilisée dans les médias et dont la tendance est de choisir les femmes à la peau plus claire pour les représenter, que ce soit dans le cinéma ou même dans le travail. Et cela devient de plus en plus agaçant car ces mêmes médias, par opposition, continuent de rabaisser continuellement la femme noire à la peau plus foncée en permanence à travers des clichés comme le « angry black woman » ou encore à travers d'autres attributs non flatteurs. Ce qui est, avouons-le, un réel problème dans la construction mentale des jeunes et surtout dans leur épanouissement dans la société soi-disant civilisée dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, la question que je me suis posée après avoir assisté à plusieurs lives, regardé des vidéos de réactions ou même participé à des discussions autour de ces thématiques est de savoir si la femme à la peau plus claire, entre parenthèses métisse, porte-t-elle une part de responsabilité dans cette surexposition dont elle fait l'objet? Et ensuite, je me suis demandé comment cohabiter et avancer ensemble dans un monde qui a été façonné à l'image impeccable d'une peau claire qui serait plus belle à cause des vestiges du colonialisme dont les conséquences directes sont le colorisme ou encore le racisme. Et pour bien comprendre mon raisonnement, on va d'abord définir les termes en question pour que toi et moi avancions au même rythme. Le premier mot que je souhaite donc définir est bien entendu le mot métisse. Alors, un métisse ou une métisse selon Wiki, c'est la base. Du latin mixticus ou mixtus signifie mélanger ou mêler. En d'autres termes, c'est une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles ou des caractéristiques et phénotypes différents. Et chose à savoir, pour les scientifiques aujourd'hui, tous les êtres humains sont le produit d'un mélange génétique de la même nature. Par ailleurs, la définition du Larousse, beaucoup plus succincte, précise qu'un métis est issu de l'union de deux personnes d'origine ethnique différente. Par exemple, un Peul, appelé aussi Fulani, Fulbe ou même Fufulde, qui vit en Afrique de l'Ouest et qui se marie avec une Touareg, habitant berbère du Sahara central, ou alors avec une Bantou dont je fais partie, donnera un enfant métis. Il en est de même en Asie et en Europe. Donc, sur ce principe, on comprend, je l'espère, que dire métis n'est pas une origine ou une couleur. Surtout lorsqu'on sait que même en photographie, le noir ou le blanc ne sont pas des couleurs, mais des nuanciers. Et pour terminer sur cette définition de métis, qui veut dire en d'autres termes le mélanger, il était souvent utilisé par les Européens des pays esclavagistes et colonisateurs, et c'est surtout un terme qui a une connotation raciste de par son origine, mais qui reste néanmoins moins violente que l'appellation mulâtre, emprunté ici du portugais mulato, mulet, cet animal, apparu en 1544 dans un ouvrage de Jean Fontenot qui désignait une personne née de l'union d'une personne blanche avec une personne noire. Et enfin, un métis ou une métisse serait donc une façon de signaler par le langage le fait qu'un individu n'est pas un blanc de pure race, comme si le terme d'afro-descendant ne suffisait pas. C'est aussi un terme qui indiscutablement dénote l'obsession raciste dominante, comme si la norme était d'avoir la peau blanche et qu'il fût nécessaire de se justifier quand elle n'était pas le cas. Alors métisse au même titre que sans mêlée ou mulâtre est un terme qui est encore aujourd'hui malheureusement utilisé par de nombreux afrodescendants sans repère, soucieux de trouver une identité fondée sur la race et de justifier leur présence parmi les blancs qui ne voient en eux que des noirs. Ce mot métis est donc étroitement lié au racisme, car la vraie question est de savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui ce terme divise. Et pourquoi lorsqu'on dit métis, on ne pense qu'à une union entre un blanc et un noir, alors que le métis englobe plusieurs paramètres, tels que la géographie ou la culture. Le racisme, quant à lui, étant une des conséquences du métissage, pour le définir, Wiki nous dit que c'est une idéologie postulant une hiérarchie des races, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'y a qu'une race humaine. Le racisme est donc une discrimination ou une hostilité violente envers un groupe d'humains qui considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Cette idéologie a donc amené à privilégier une catégorie de personnes par rapport à d'autres. Le blanc vs le reste de la planète, en partant du plus clair au moins clair par exemple. Et enfin, le colorisme, c'est quoi? Eh bien, c'est une conséquence du racisme, du métissage, à la différence que c'est une forme de discrimination qui est propre à une communauté. Exemple,
les Asiatiques entre eux ou les Africains entre eux. Parce que oui, le colorisme différencie les individus selon la clarté de leur peau, avec pour référence une peau plus claire étant considérée comme plus jolie et une peau moins claire, plus foncée, considérée comme moins jolie. Et cela peut s'étendre jusqu'à la texture du cheveu, à la forme ou au trait du visage. Et malheureusement, ce colorisme a des conséquences terrifiantes comme la dépigmentation ou le blanchiment de la peau, entre autres, les opérations chirurgicales des yeux, du nez, qu'on va retrouver notamment en Asie, avec des pays comme la Thaïlande, où les affiches sans gêne le racisme dans la publicité. Avec effectivement 58% de Thaïlandaises qui avoueraient se blanchir la peau, soit avec des crèmes, soit avec des comprimés. Mais en dehors de la Thaïlande, le Sri Lanka ou encore la Corée du Sud, on retrouve d'ailleurs dans presque toutes les crèmes ou les laits pour le corps des agents blanchissants ou anti-UV pour préserver la peau claire du soleil. En Chine par exemple, la blancheur est une obsession qui daterait de la dynastie Han, Hanzhou, mais dont l'influence occidentale a joué un rôle déterminant dans les habitudes des Chinois d'aujourd'hui. Éternel complexé par la peau, pas assez clair pour ressembler au blanc. Certains vont jusqu'à vouloir se débrider les yeux pour avoir la double paupière. Petite leçon de mandarin, il y a une phrase très connue en Chine qui dit « Yi bai zhi san chou » ou encore « Yi bai zhi bai chou » qui signifie tout simplement que un teint blanc est suffisamment puissant pour masquer 3, 7 ou 100 défauts, en fonction des traductions. Cette tendance à vouloir la peau blanche est aussi présente sur le continent africain, avec 77% des femmes au Nigeria, 59% des femmes au Togo ou encore 27% au Sénégal, qui vont utiliser des produits éclaircissants. La conséquence est que des milliers de femmes et d'hommes dans le monde mettraient donc en danger leur santé avec des produits souvent toxiques pour se rapprocher de la couleur blanche afin de ressembler aux occidentaux et peut-être pour aussi avoir le light skin privilege. Tout cela à cause d'une histoire de critères de beauté dont justement les conséquences sont celles que nous avons déjà évoquées. Racisme, colorisme et discrimination. Et lorsqu'on sait que ces critères de beauté ont beaucoup évolué en Occident par exemple, pour qui avoir une peau bronzée est critère de beauté ou une sorte de colorisme positif, signe de vacances et donc de richesse. Tu remarqueras que dans l'autre sens, c'est toujours positif. Alors après ces petites explications, vous comprenez donc que tous les problèmes liés à ces différents termes partent de fichus critères de beauté dont les conséquences sont toujours et encore néfastes dans la société actuelle. Et tant que le racisme et le colorisme régneront, le débat quant à lui continuera d'animer la galerie. L'absurdité de ces critères de beauté qui donnent un statut social plus privilégié à une certaine catégorie de personnes est une injustice qu'on ne peut pas juste résumer en faisant une hiérarchisation des souffrances en partant du pantone le plus clair au plus foncé, surtout lorsqu'on sait l'origine historique du problème. Par conséquent, le reproche de base fait à l'égard des métiers en utilisant la définition basique d'une rencontre entre un homme noir et une femme blanche et aux conséquences liées au colorisme, au racisme ou encore aux discriminations qui sont le quotidien de beaucoup de femmes dont la peau serait plus foncée est un problème qu'il faut donc traiter à partir de différentes approches. Reprocher par exemple aux métis d'avoir le light skin privilege instauré depuis la nuit des temps, depuis l'expansion coloniale dans le monde afin de diviser, ne servirait selon moi à rien. Leur reprocher ensuite d'en jouir est tout aussi stérile car c'est humain et avoir la frustration ne changera pas la mentalité déjà très ancrée dans un système de pensée blanche. Je vous fais allusion à la pensée blanche du livre écrit par Lilian Thuram que vous trouverez aux éditions Philippe Ray, qui va sans doute vous apporter quelques éléments de réponse pour comprendre pourquoi il y a autant de difficultés à dialoguer par rapport à ces thématiques. Alors, pour continuer ce sujet, je pense donc que plutôt que de perdre du temps à reprocher aux métis de jouir du light skin privilege, il serait plutôt judicieux de souligner le manque de soutien entre femmes noires pour faire éventuellement avancer la problématique sur un angle qui permet d'apporter quelques éléments de solution face à ce problème. Mais encore faut-il que les femmes noires se soutiennent entre elles. Ensuite, reprocher aux métis de choisir leur camp en fonction de leurs envies est tout simplement une hérésie et un problème d'éducation. Car je pense que ce sont des affirmations souvent basées sur des expériences personnelles malsaines dans le but d'affirmer une généralité qui ne reflète que très peu une réalité car aucun chiffre statistique ne prouve cela. Et au lieu de prêcher dans le désert, il est, je pense, urgent de prendre conscience que les autres communautés ne nous mettront jamais en valeur dans leurs médias et que c'est à nous de faire le travail en s'armant de courage et apprendre à nous aimer sans attendre nécessairement l'approbation des autres. Et enfin, reprocher aux métis d'être préférés par des blancs et rejetés par ces mêmes derniers en fonction de leurs humeurs et que, par la suite, ils viennent en dépit vers la communauté noire
ne réglera pas non plus le problème qui, selon moi, daterait de 1712 avec notamment la lettre de Willie Lynch dans The Making of Slave. Vous devez utiliser l'esclave à la peau foncée contre l'esclave à la peau claire et l'esclave à la peau claire contre l'esclave à la peau foncée. Vous devez utiliser la femme contre l'homme et l'homme contre la femme. Vous devez également vous assurer que votre domestique et vos serviteurs restent méfiants de tous les nègres. Messieurs, ces méthodes sont vos clés du pouvoir. Employez-les, enseignez-les à vos épouses et à vos enfants. Ne manquez jamais une occasion. Mon plan garantira votre réussite. Et d'autant plus, si vous l'utilisez intensivement pendant des années complètes, vos esclaves deviendront perpétuellement méfiants les uns des autres. Je t'ai lu ce passage en espérant que tu comprennes que distinguer les humains en fonction de leur couleur de peau ou autres critères physiques, afin de les discriminer ou de leur accorder des privilèges, et tout simplement la continuité du travail de Willie Lynch. Un travail malsain qui s'étend encore dans le monde entier sous l'autre appellation que sont les critères de beauté. Par ailleurs, il est important de dire et de répéter qu'il ne faut surtout pas hiérarchiser les souffrances des uns par rapport aux autres en fonction de soi-même, de sa couleur de peau. Car la notion de souffrance est propre à chaque individu. Et puis ce n'est pas une compétition de souffrance de qui souffre le plus de racisme. Je pense que c'est aussi malsain que la discrimination en elle-même. Pour illustrer mes propos, prenons l'exemple d'un tatouage. Moi, je ne supporte pas les aiguilles. Et je vais donc hurler à gorge déployée, alors qu'en face, une femme de mon âge, ou même de ma famille, va mieux supporter la douleur par rapport à sa résistance personnelle. En revanche, cette dernière n'a pas le droit de nier ma souffrance sous prétexte qu'elle ne ressent rien. Et bien sûr, il est vrai que nous vivons dans un monde dans lequel la femme avec la peau plus foncée va subir plus de discrimination, de colorisme, de racisme qu'une femme à la peau plus claire. Des études ont été faites à cet égard. Je t'invite dès à présent à regarder mes sources en cliquant tout en bas de la vidéo, en barre d'infos, pour y avoir accès. Mais pour continuer, faire cette affirmation sans prendre en compte le lieu où se trouve la personne, je pense, rend l'affirmation fausse. Avec pour exemple, une femme noire qui vit au Sénégal avec des gens qui lui ressemblent ne vivra pas nécessairement le racisme ou encore la négrophobie que vivra une femme métisse à Aurillac, une campagne française où la mentalité et l'ouverture d'esprit est encore à sa genèse. Alors, si on fait un bilan de ces deux vies éloignées, qui des deux souffre le plus à la fin de la journée? Dans cette situation, on comprend qu'il est important de toujours prendre en compte tous les paramètres lorsqu'on s'exprime sur Internet pour verbaliser son ras-le-bol face à la mise en valeur permanente des femmes à la peau plus claire. Du coup, dans ce cas précis, affirmer qu'une femme à la peau plus claire souffre moins de racisme car elle se rapproche de l'idéal du blanc, instauré volontairement pour diviser, est donc faux. Et enfin, et je le souligne encore, il n'est pas question de hiérarchiser les souffrances comme je l'ai dit. Maintenant qu'on a vu tout ça, pour venir sur le sujet par rapport au projet Human Eye, pour éventuellement lutter contre le racisme, le colorisme ou même les divergences autour du métissage, Angélique Adas, dans son parcours au Brésil, pays très métissé mais où le racisme est une pratique habituelle et légitime, elle s'est dit que désigner les humains par des pantones avec toutes les nuances de couleurs qui existent réglerait ce problème où on veut toujours mettre des humains dans des cases prédéfinies par la société. Pour réaliser cela, Angélique Adas a réuni des milliers de portraits pour célébrer nos diversités et nos couleurs en utilisant les différentes gammes de Pantone pour illustrer les nuances de nos peaux dans une mosaïque photographique colossale. Angélique Adas, née au Brésil, pays très sensible face aux questions du colorisme, du racisme, a grandi dans une famille remplie de couleurs de peau différentes. Son passage au TED Talks il y a 5 ans m'a particulièrement émue dans sa façon de décrire la couleur de son père comme du chocolat, de sa famille adoptive comme des yaourts à la fraise, de sa mère comme une noisette et surtout de son mari comme un homard. Angélique Adas raconte que plus jeune, des inconnus la prenaient pour une servante lorsqu'elle était dans la cuisine de ses amis ou pour une prostituée lorsqu'elle se baladait avec ses amis européens. Toutes ces remarques rabaissantes et discriminantes l'ont révoltée car l'unique cause de cet abrutisme collectif était qu'elle était jugée pour sa couleur de peau ou pour sa texture de cheveux. Ce projet Human Eye était pour elle une façon d'apaiser ses frustrations, sa peur mais aussi sa solitude afin de transformer en amour. Car Angélique Adas pense que exposer les vraies couleurs permettent de sortir du carcan et du dictat de l'opposition entre le blanc et le noir, vision absolument manichéenne imposée par les occidentaux, d'un côté le blanc
le bien, et de l'autre, le noir, le mal. Ce qui n'a d'ailleurs pas sa place lorsqu'on se rend compte que la notion de blanc et de noir n'existe pas sur la peau, ou même comme couleur, comme je l'ai précisé en photographie, et que des personnes d'origine différente peuvent avoir la même couleur sur un nuancier qui s'exprime ici en Pantone. Pour son projet Human Eye, elle a pris en photo plus de 4000 personnes venues de 17 pays pour illustrer la beauté de l'être humain dans toutes ses couleurs et qui vont parfois se mélanger pour en créer des nouvelles. Le guide de Pantone lui a permis de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en classant les couleurs horizontalement pour permettre de diluer la fausse prééminence de certaines populations par rapport à leur couleur de peau. Cela a permis aux personnes photographiées d'être égales avec les autres, même si elles ont des couleurs différentes, des origines différentes, des nationalités différentes ou encore un rang social différent. Et grâce à ce projet Human Eye, beaucoup d'enfants et de femmes et d'hommes ont appris à avoir confiance en eux. Mais malgré sa bonne volonté de rompre les barrières raciales et les violences de son passé historique, avec l'espoir d'y mettre fin pour les prochaines générations, seuls ceux qui sont sensibles à ces questions sont les plus convaincus. Et malheureusement, les intolérants, also known as les racistes, continuent leur petite affaires. Je souhaite préciser que je ne juge et ne souhaite juger personne dans l'expression de sa frustration, de sa peur, de sa souffrance dans ce monde qui a été façonné à l'image du blanc. En revanche, je propose éventuellement des solutions comme celle d'Angélique Adas pour du moins mettre les mots et désigner vraiment les diverses nuances de couleurs que nous portons sur nos peaux pour apaiser le dialogue, si admettons le problème concerne uniquement la couleur de peau. Car si on part de l'approche culturelle par rapport au mélange de deux cultures pour déterminer l'appartenance et donc la légitimité d'une personne métisse à s'exprimer sur un sujet comme les discriminations, il serait important de remettre à jour les paramètres comme l'éducation qu'ont donné les parents ou le lieu dans lequel la personne a vécu pour mieux appréhender les choix de ce dernier. Car selon moi, dans un monde idéal, cela revient aux deux parents d'inculquer à leurs enfants les deux cultures. Mais dans le cadre où l'un des parents est passif ou absent, qui est le responsable? Et puis, faut-il qu'il y ait nécessairement un coupable? Je dirais ceci, le vrai coupable, c'est selon moi l'éducation malsaine qu'a reçue la génération d'avant et celle d'avant et celle d'avant et qu'elle est déjà en train de transmettre à la prochaine. Une éducation qui est vide mais qui est volontairement arbitraire dans sa volonté de perpétrer ce climat nauséabond, comme l'avait prédit le cher Willy Lynch. Alors pour apporter un élément de réponse à ces questions qui brûlent encore dans l'actualité, à savoir, est-ce que Meghan Markle est légitime de parler de racisme alors que son Pantone lui donne clairement plus de privilèges qu'une femme à la peau plus foncée? Ensuite, par rapport à la polémique autour de Crazy Sally, est-ce qu'elle serait légitime de mettre en avant son côté africain noir plutôt que le maghrébin en fonction des tendances et du buzz d'Internet? Et je pense la réponse la plus simple que je pourrais vous faire, c'est de savoir, mais qui êtes-vous pour les juger? Concentrez-vous sur vos vies personnelles. Travaillez main dans la main pour construire votre image belle, noire et fière. Et laissez de côté les distractions qui ne font pas avancer la communauté. Je le répète, dans un monde idéal, un pays civilisé, personne n'a à se justifier de ses origines et de sa couleur de peau. Ce genre de détails ne devrait avoir aucune importance. Et malheureusement, le combat est long. Alors, sera-t-il possible de parler de ces thématiques un jour prochain sans éveiller les passions et les souffrances des uns et des autres? Pourrions-nous un jour sortir des carcans nocifs du dictat des critères de beauté et embrasser toutes les beautés grâce au projet Human Eye? Et surtout, moi, la question que je me pose réellement, c'est comment allons-nous garantir une construction mentale, sociale et saine de nos futurs enfants dans un monde aussi clivé dans lequel Instagram, TikTok ou Snapchat proposent aujourd'hui, grâce au filtre, de se blanchir ou d'embellir sa peau avec seulement sa caméra? Car oui, le likes privilege qui découle du white privilege continuera d'exister tant que l'humain ne changera pas radicalement sa façon malsaine de penser et de juger son prochain sur une base aussi ridicule qu'est le teint ou la couleur de peau. Et une affirmation, ne rendons pas l'autre fausse, même s'il est vrai que dans de nombreux pays, la couleur de peau aide à l'embauche, au mariage ou à l'ascension sociale, comme en Chine, au Sri Lanka, même en France, à l'avenir, le blanchiment de la peau ne fera qu'augmenter malgré les dangers et les business orientés sur ce marché ont clairement des beaux jours à venir tant que la bêtise triomphera. En effet, les mentalités ne sont pas prêtes de changer. Mais ni le métissage, ni la chirurgie, ni les filtres Instagram et encore moins le blanchiment de la peau ne sont des solutions long terme à ce fléau qu'est le racisme
ou le colorisme. Il faut, je pense, dès lors travailler ensemble pour sanctionner ce type de pratique pour, je l'espère, obtenir un monde plus pragmatique. Mais en tant qu'éternel optimiste, je suis sûre que de plus en plus de personnes assumeront leur peau bronzée avec les fameux nombres hashtag Mélanine Queen ou Mélanine Popping. Sinon, une autre solution, pour éventuellement arrêter cette espèce de racisme et de colorisme lié à sa couleur de peau, pensez à gifler vos amis lorsqu'ils penseront vous faire un compliment en vous disant « Mais, t'es belle pour une blague !» Parce qu'en plus, ces derniers auront peur d'utiliser le mot noir alors que nous vivons dans un pays francophone. Et bien sûr, je n'incite pas à la violence, c'est juste pour plaisanter, comme ça, pour détendre un petit peu l'atmosphère, voilà. Mais surtout, ce que je voudrais que tu retiennes à travers cette vidéo, c'est de ne pas oublier que dans la nature, il y a des couleurs et des formes de fleurs différentes et qu'elles sont toutes belles. Alors, peu importe ta nuance de pantone claire ou foncée, ne te laisse jamais convaincre par le dictat de la société et apprends à t'aimer et à t'apprécier. Si tu te vois et te comportes comme un roi ou une reine, les autres te suivront dans ta projection. Car tu es tout simplement une femme ou un homme et ta couleur ne détermine pas ton être, tes choix et tes horizons. Alors pour conclure sur ce sujet qui continue et continuera sans doute de déferler la chronique, alors moi je vais continuer de rêver d'un monde dans lequel le racisme, le colorisme et les discriminations n'ont pas de place. Because no matter your pantone color, you're beautiful just the way you are. Just the way you are. Et voilà, c'est terminé pour cette analyse. J'espère que tu auras pris beaucoup de choses et beaucoup de plaisir à m'écouter. Je te donne de nouveau rendez-vous sur mon compte Instagram, Xiaomama, qui veut dire tout simplement chaton. N'hésite pas à partager si c'est une vidéo qui t'a plu pour m'encourager, bien entendu, et surtout à me dire ce que tu penses en commentaire. Et surtout, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera déjà une vidéo de langue où on parlera 100% mandarin. Je répondrai à vos questions les plus intimes, les plus dérangeante. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner si tu adores ce genre de contenu et que tu aimerais me voir dans ce type de sujet pour les prochaines fois. Je te dis déjà à la vidéo prochaine et te fais plein de bisous. Bye bye!